La légende de Jacques, le tueur de géants, prit naissance il y a plus de 1000 ans, en Cornouailles, en Angleterre, près de Land's End. Il fut un temps où le royaume de Cornouailles vivait dans la peur et tremblait devant le prince noir Pendragon, maître d'une horde de géants, de sorcières et d'esprits diaboliques qui ravageaient le pays. Mais finalement, Herlas le magicien chassa du royaume Pendragon et ses sorcières et les exila au-delà des frontières du monde connu. Là, dans une île brumeuse qui ne figurait sur aucune carte, Pendragon se livrait à 1000 calculs et attendait le jour où il pourrait reprendre le pouvoir en Cornouailles. Enfin, après de nombreuses années, ce jour vint. La Cornouaille tout entière était en liesse, et les rois et les princes, apportant des présents, s'étaient assemblés pour fêter un grand événement. Attendue princesse Hélène, que vous êtes par la grâce de Dieu l'unique enfant de notre noble roi, je vais donc en ce grand jour placer sur votre tête la couronne ancestrale de la maison de Cornouailles. Puissiez-vous la porter avec honneur, comme il convient à notre future reine. Levez-vous, Hélène. Héros d'armes, proclamez les festivités et que les cloches sonnent à toute volée. Santé et bonheur à la princesse Hélène, puisse-t-elle vivre 100 ans et plus. Tandis que le peuple de Cornouailles célébrait ce beau jour, Pendragon arriva. Les hôtes de la princesse sont admis à se présenter. Sa grâce, Valdemar, duc de Normandie. Son Altesse Sérénissime Mélidorus, prince de l'île Tarquin. C'est réellement exquis, duc Mélodias. Mélidorus, vous connaissez ce prince, chancelier? J'avoue, Majesté, que son nom ne me dit rien de bien précis, mais le personnage ne m'est pas inconnu. Je prie sa gracieuse Majesté, le roi Marc, de pardonner mon arrivée tardive. Prince Mélidorus, je ne sais si je me trompe, mais je ne crois pas vous connaître. Non, en effet, votre majesté. Et vous rendez hommage à ma fille Hélène. J'ai toujours envié et admiré la couronne de Cornouailles. Et c'est pourquoi je me suis permis d'apporter à son Altesse royale un cadeau modeste, mais assez exceptionnel. S'il te plaît, Garna. Tout de suite, maître. Oh, c'est extrêmement joli. Puis-je savoir ce qu'il y a dedans? Certainement, princesse. Une boîte à musique. Il marche. On croirait un être vivant. Et le marchand vénitien qui me l'a vendu m'a assuré que ce personnage avait des talents surprenants. Oh père, c'est extraordinaire, venez voir. Il me demande de lui accorder cette danse. Certainement, cher cavalier. Merci de ce cadeau exquis, prince Elidorus. Entrez.
Vite, mademoiselle. Posez-les sur la table. Attention. Vous étiez ravissante aujourd'hui, princesse. Et votre père était bien fier de vous. Je crois qu'il me voit d'un œil excessivement indulgent. Je ne m'attendais certes pas à ce qu'on me témoigne tellement d'attachement. Vous ne tarderez pas à être reine, ma princesse. Souveraine d'un puissant état. Mon père a encore de longues années à vivre et je déteste songer qu'il pourrait nous quitter. Oui, bien sûr. Quand on a votre âge, on ne songe guère à l'avenir. Vous devez être bien lasse. Bonne nuit, princesse. Dormez bien, Lady Constance. Navré d'interrompre brutalement vos rêves innocents, princesse Hélène. Mais je veux le trône de Cornouailles, et vous seul pouvez me le donner. S'enfuit en emmenant la princesse. Thank you.
suite et vous empêchez-le de s'enfuir. Réparez-le pour lui. Apportez des haches et des planches. Car, allez les aider. Il faut à tout prix le rejoindre. Il y a bien longtemps que les géants ont été bannis de l'État. Pourquoi reviennent-ils alors? Pourquoi? Au travail, Jonas et Tom. Il fait beau aujourd'hui. Oh! Oh! Allons. On recule. Vas-tu reculer à la fin? Oh! Allez, viens. Eh bien, quoi? Vous êtes bien nerveux tous les deux ce matin, mais on a du fourrage à porter, que ça vous plaise ou non. Assez de simagrer comme ça, hein? En arrière! Qu'est-ce qu'il y a donc aujourd'hui? Thank you.
n'êtes pas blessé? Vous l'avez tué. Vous avez réussi à le tuer. Je n'ai pas grand mérite. Je tue un géant tous les matins avant mon petit déjeuner pour me mettre en train. Tenez, ma petite, mettez ça sur vous. Fermier, avez-vous vu la princesse? Votre Majesté, à genoux saute, c'est le roi. La princesse, votre Majesté? Ah, Hélène! Jeune homme, veuillez aider ma fille à descendre de votre perchoir. Je vous prie de m'excuser, princesse, j'ignorais que... Eh bien, jeune homme! Il vaut mieux ne pas faire attendre le roi. Hélène, Dieu a été bon pour nous. Oh, père, voici le jeune homme qui a si vaillamment combattu et m'a sauvé du géant. C'est bon, relevez-vous. Jack! Jack! Oh, Jack, tu es sain et sauf. En voyant cet horrible monstre... Mais c'est le roi. Votre Majesté. Relevez-vous, madame. Pardonnez-moi. J'étais si bouleversée de voir que mon fils était vivant. J'ai éprouvé la même chose en voyant ma fille. Oh, la pauvre. Elle aussi a passé de terribles moments. Il faut qu'elle se réchauffe et se repose un peu avant de retourner au château. Jeune homme, vous avez accompli là un grand exploit. Merci, Votre Majesté. Comme mon père, je suis fier de servir mon roi. Votre père a servi la couronne? Oui, dans le Royal Archer. Il est tombé à la bataille de Lansen. Noble combat naguère. Noble combat aujourd'hui. S'il vous avait vu, votre père eût été fier de vous. Bien, venez, allons voir de près ce géant. Il est hideux. Mais j'y pense. Le bateau, cet étrange bateau qui devait emmener la princesse. Vite, Votre Majesté. Mais je l'ai pourtant vu. Regardez, ce petit bateau à voile noire. Il y avait là une espèce de gnome, tout ricanant et contrefait. C'est son valet Garna. Vous le connaissez, Majesté? Je les connais, lui et son maître. S'est-il passé? Une chose épouvantable, le plus affreux des désastres. La princesse, où est-elle? Cormoran a été tué par un jeune fermier. Et maintenant, la princesse est auprès de son père au château. Impossible, tu es ivre. Et là, c'est la vérité, maître, je vous le jure. Il est venu me la reprendre sur le bateau, puis il a tué le géant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Misérable idiot. Que l'enfer s'ouvre à l'instant et vous reprenne. Tous autant que vous êtes! Je calcule pendant des milliers de nuits. Je mets la princesse dans tes mains et toi, sinistre imbécile, tu laisses un simple fermier, un mortel me défier. Nous avons échoué, maître, nous avons échoué. Mais cet échec n'est que momentané. Car je saurai reprendre la princesse. Et le fermier mourra. Par toutes les puissances infernales, il mourra. Pour nous avoir rendu la princesse saine et sauve, comme par miracle, et nous avoir ainsi mis à l'abri d'entreprises criminelles, nous vous armons chevalier avec le titre de comte et vous nommons protecteur du royaume. Relevez-vous, comte Jack. Puissiez-vous servir la couronne avec honneur, ainsi que votre père le fit avant vous. Il est charmant. Majesté, pardonnez-moi. Votre Majesté. Qu'y a-t-il, chancelier? Il faut que je vous parle personnellement. Cela ne peut attendre? C'est de la plus haute importance. Fort bien. Tenez compagnie au comte Jack. Veuillez m'excuser.
Je vous fais toutes mes félicitations, comte Jack. Je suis si heureuse. Je suis honorée de vous serrer la main maintenant que vous êtes chevalier. Enfin, un héros qui est cher. Et beau garçon. Je trouve qu'il fait bien chaud ici. Voulez-vous m'accompagner sur la terrasse, comte Jack? Avec joie, princesse. Merci de m'avoir sauvé. Vous en avez fait autant pour moi, je ne l'oublie pas. Saluons le comte Jack! Jack, le tueur de géants! Vive le comte Jack! Il semble que mon sauveur ait gagné un nouveau nom. Il semble que j'ai gagné plus qu'un nouveau nom. C'est un bien grand honneur. Je souhaite seulement de m'en montrer digne. C'est la manière de mon père de vous marquer sa gratitude. Voici la mienne. Je vais de ce pas chercher un deuxième géant à trucider. Pour votre petit déjeuner? Sachez en outre que ces géants sans âge, cornus et ressemblant à des satyres, rôdent dans nos terres prêts à y semer la ruine et la désolation, obéissant absolument à leur maître Pendragon. Ce parchemin était perdu au milieu d'archives réunies par vos ancêtres. Je l'ai trouvé tout à fait inopinément. Donc le prince Illidorus n'est autre que Pendragon le satanique. Le prince de la magie noire. Pourquoi voulait-il s'emparer de la princesse? Pourquoi? Si nous le savions, nous pourrions agir aussitôt. Dans ce cas, je ne vois guère qu'une solution. Cette fois, nous avons eu de la chance, mais Pendragon fera certainement une autre tentative. Je vais vous charger d'une mission la plus importante qu'un chevalier de Cornouailles ait jamais eu à accomplir. Protéger la vie de la princesse jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Je ferai tout pour me montrer digne de votre confiance, sire, mais croyez-vous qu'un seul garde? Notre salut réside dans le secret. Toute notre armée serait impuissante à protéger la vie de la princesse si nos projets venaient à être connus de Pendragon. À l'aube, vous et Hélène, déguisés en paysans, partirez pour un couvent de la Normandie. Quand la princesse sera en sûreté à l'abri de ses murs, vous reviendrez ici. Cela veut dire que je vais vivre en exil. Et que vous et moi serons séparés. Je sais, ma chérie, mais hélas, c'est inévitable. Bien, comme vous voudrez. Puisque vous estimez que c'est nécessaire. Allez, ma fille. Préparez-vous pour le voyage. Bonsoir, père. Bonsoir, ma chérie. Nous avons bien des points à régler et l'aube ne va pas tarder. Venez. Nous séparer. Il fait déjà grand jour. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, princesse? Non. Je vous remercie, Lady Constance. Vous me manquerez. Je prierai afin que le ciel bénisse votre voyage. Aussitôt que le péril sera écarté, je vous le ferai savoir. Je vous la confie, Jack. Il ne lui arrivera rien, moi vivant, votre majesté. Nous avons enfin une mission à te donner. Une mission très importante. Patience, patience. Vol droit au but, Yeslin. Notre maître doit être impatient de recevoir ton message.
prince noir. Voyez, il arrive du château du roi Marc. Tu t'es décidé enfin à nous rendre visite, hein, Tiesla? Apportant un joli présent. Elle mettra à la voile la marée descendante. Voyons de quelle sorte va être cette traversée. Jubot, bien douce et tranquille. Allons les gars, bordez-moi cette voile plus à plat et tapez-moi ça un peu mieux. Oh, his, oh, his, oh, his, oh, his. Un peu de nerf les enfants, allons. Oh, his, oh, his, oh, his, oh, his. Êtes-vous content, capitaine? Brise régulière, soleil et mer plate. Que pourrait-on souhaiter de mieux? Je n'ai pas revu mademoiselle Hélène. Où est-elle passée? Je ne sais pas, elle n'est pas dans sa cabine. Elle bavarde peut-être avec l'homme de bar. Remplace-moi, maman, Jack. Peter! Oui, père? Qu'est-ce que vous voulez? Sais-tu où est notre jeune passagère? Oh, ça oui, elle est à côté de moi. Monte, donnez un coup de main. Nous arrivons en vue de la côte. J'arrive, capitaine. Il est à son affaire, votre fils. Ah, ça oui, il connaît le métier aussi bien que moi. Et il vous hisse un foc plus vite qu'aucun homme à bord. Ah, te voilà, toi, je te confie la barre. Je vais aller manger un morceau. Jack, tiens, si la demoiselle a envie de regarder le continent. Merci, capitaine. Ah non, là, vous n'êtes pas bien. Montez sur le château, vous verrez mieux. Hé, hey, l'homme de barre, garde bien ton cap, hein? Oui, capitaine. Je ne croyais pas que nous étions si près de la côte. Avec ça, vous la verrez encore plus proche. Elle ne l'est déjà que trop. Je vais être bientôt dans un couvent et vous allez repartir. Et me laisser seule. Les religieuses vous entoureront, elles vous tiendront compagnie. Comme j'ai été heureuse de faire ce beau voyage, seule avec vous. Que je souhaiterais n'avoir pas à me cacher. Rester ce que je suis pour tout le monde, une paysanne. Je voudrais être un génie capable de réaliser votre vœu. Supposons que vous en soyez un, que feriez-vous? Je me transformerai en un grand prince. Et je fouillerai chaque ferme, chaque village d'Angleterre jusqu'à ce que je vous retrouve. Alors je vous serrerai contre moi et je vous dirai, je vous aime. Alors, Jack, je vous dirai aussi que je vous aime. Mais cette fois, ce ne serait plus une comédie que je jouerai pour les autres. Alors je vous emmènerai sur mon tapis magique jusqu'au palais. Et là, nous vivrions heureux jusqu'à la fin de notre vie. Oh, Jack. Oh, les gars! À ramener! À ramener! Tout le monde en riche aux écoutes! Allez! Oh, his! Oh, his! Des rochers, capitaine, nous sommes échoués. En plein détroit, il n'y a pas de rochers par ici. Tout le monde sur le pont. Ça va, tu n'as rien? Non, rien. Qu'a-t-on touché? Je ne sais pas. Oh, regardez le ciel. Le soleil disparaît. Nous ne bougeons plus. Ce n'est pas naturel. Capitaine, regardez au-dessus de nous. Des sorcières! Des sorcières! Des sorcières! C'est l'œuvre du diable. C'est le diable en personne. Nous sommes perdus. C'est le diable. Le diable. Diable ou sorcière, quoi que vous soyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne coulerez jamais mon navire. Thank you.
Une sorcière! Nous sommes perdus! C'est notre dernière œuvre! C'est le diable qui l'envoie! Sauf qui peut! Peter, viens par ici! Vite, capitaine! Ne laissez entrer personne! Capitaine, il en vient d'autre sur le château arrière! Il y en a partout! Non, fantôme, je n'ai pas peur de toi! Débarquez d'abord! Capitaine! On rentre en Angleterre, les gars! Paré à virer, bord sur bord! Bosco, je prends le commandement du navire.
Oui, Dave, vous entendez ça? Notre passager prend le commandement du navire. Au nom de sa majesté, le roi Marc. Au nom de sa majesté. Et où crois-tu que le roi nous enverrait s'il était à bord? Nous devons sauver cette jeune fille. Sa majesté fera ce qu'elle veut de ce maudit rafio quand on aura débarqué en Cornouailles. Quant à nous, pas question de rester dans ces parages infestés de sorcières. Bien, très bien parlé, oui. Demi-tour, aux agrès. Oui, demi-tour. Écoutez-moi, si vous retournez en Angleterre, vous serez tous pendus. Hélène est la princesse royale de Cornouailles. Ah! Et moi, je suis le calife de Bagdad. Flanquez-moi ce gars-là par-dessus bord. Entends-moi, gardienne de la magique flamme. Abaisse tes yeux sur tes serviteurs infernaux, démons, elfes et sorciers assemblés, qui se préparent à mener devant l'autel sacré de l'éternelle flamme une néophyte qui te servira dans le labyrinthe mystique. Abaisse tes yeux, ô Isis, déesse de l'ancienne Égypte. Ayemat, Barabbas, Urgat, Maruga, Maroya, Gara. Réveille-toi, princesse de Cornouailles. Ouvre tes yeux. Regarde bien le cristal sacré d'Égypte. Embrase ton âme et tout ton être à la magique flamme. Tes veines se mélangent étroitement à celui des esprits du monde des ténèbres. Maintenant, contemple-toi dans ce miroir. Désormais, tu es une sorcière et tu fais partie de la cohorte mystique. «
La cour de sa gracieuse majesté le roi Marc de Cornouailles étant réunie, séant que l'étranger s'approche du trône. Pendragon, vous osez vous présenter ici, garde. Et je crois sentir une certaine réticence dans votre accueil. Mais peut-être votre majesté se désintéresse-t-elle du sort de la princesse Hélène, sa fille. Comment aurait-il pu apprendre que la princesse est... Approchez-vous du trône. Merci, votre majesté. Maintenant, parlez, prince noir. Je voulais seulement informer votre majesté que votre fille Hélène n'a pas atteint le couvent où vous projetiez de la faire entrer. Mais alors, qu'en avez-vous fait? Où est-elle? Je suis seul à le savoir. Je ne vous crois pas. Vous mentez, scélérat. Vous croyez? Vous voyez? Hélène! Hélène! Croyez-vous que j'aurais été naïf au point d'amener votre fille en personne? Cette illusion avait pour seul but de prouver qu'elle est entièrement à ma merci. Ah, prisonnière, saine et sauve. Et fort bien traitée, en mon château. C'est bon, qu'exigez-vous de moi? Parlez. Mes exigences sont bien simples. Je veux que vous abdiquiez d'ici comment? Une semaine. Vous emmènerez votre chancelier et quiconque voudra vous suivre, mais vous quitterez l'Angleterre pour toujours. Mais qui régnera sur mon pays et qui gouvernera mon peuple? Vous? Oh, qu'allez-vous supposer? Non, c'est votre successeur légal qui montera sur ce trône. Son couronnement aura lieu immédiatement après votre abdication. Vous voulez dire que ma fille régnera à ma place? Je suis... meilleur prince que vous ne croyez, sire. Et vous demeurerez à ses côtés comme conseiller. Et c'est possible, mais n'importe comment. Il ne vous reste qu'une alternative, roi Marc. Ou votre fille, ou votre trône. Je reviendrai dans une semaine afin de connaître votre décision. Vous détenez ma fille, sorcier. Mais nous vous tenons. Emparez-vous de lui. Semaine, roi Marc. Pas davantage. Comment a-t-il pu apprendre nos projets? En dehors de nous deux, je ne vois... Lady Constance. Hormis la princesse et Jacques, nous n'étions que trois à savoir qu'Hélène allait en Normandie. Votre majesté douterait-elle de ma... Regardez-vous dans ce miroir. Non. Si vous êtes une sorcière, le miroir fera apparaître la véritable nature de votre âme perfide. C'est moi, oui, c'est moi qui ai tout dévoilé à Pendragon. Brisez ce miroir, rompez l'enchantement. Oh, c'est affreux, pitié. Ayez pitié de moi, majesté. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Nous ne vous blâmons pas, Constance. Pardonnez-moi. Nous avons pitié de vous. Il m'a ensorcelé. Il m'a ensorcelé. Ohé, du bateau! Hé, là-bas! Hé, là! Au secours! Tiens, des poissons qui crient. Yeah.
Tenez, buvez. De seul trait. Il a raison, Sigurd, ça réchauffe ce torboyau. Donc je te demandais si tu te rappelais avoir vu des sorcières. Ah, c'est vrai, les sorcières. Ah, j'ai été si loin du temps d'Éric le Rouge. On est allé une fois à 80 vaisseaux conquérir l'Irlande. Ah, c'était le bon temps, mon ami. La bataille, le pillage, le butin. Oui, mais as-tu jamais vu des sorcières ? J'en ai vu, oh pardi, oui. Ils en ont vu des choses, ces vieux yeux, bien des choses extraordinaires. Une fois qu'avec Eric, on naviguait vers les côtes de l'Écosse, on a vu sur les vagues une troupe entière de dragons. Oui, mais ces sorcières volaient dans le ciel, et leur chef avait trois cornes sur la tête. Et il tenait une immense fourche. Une immense fourche ? Oui, d'où partaient des flammes bleues. D'où partaient des flammes bleues ? Pour moi, c'est Jugo, le chef des sorcières, qui envoie Pendragon par-delà les mers. Qui vient de dire ça? Le gnome dans sa bouteille. Je l'ai trouvé dans mon filet un jour que je pêchais. Il a un pouvoir magique, prétend-il. Mais il n'a jamais rien voulu faire pour moi. Rien? Ah oui, vraiment. Attends un moment. Oh! Horrible petit diable. Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Je t'ai rien demandé. Et de moi, sale viking, tu obtiendras Bernic. Mon pouvoir est à ceux qui me sont sympathiques. Oh, un jouet qui parle. Insulte un magicien. Quoi, je suis un jouet? En garde que l'enfer te le fasse payer. Alors tais-toi un peu et écoute. Jack est un garçon loyal et généreux qui défend une juste cause. J'ai une princesse à sauver et il me faut de l'aide si je veux y arriver. Si tu dis vrai, c'est en effet une noble cause. Prends donc cette bouteille. Que je te dise une chose. Si jamais tu as osé mentir, le verre va rougir et ta main va frire. Mais oui, tu dis vrai, au bout de 1000 années, de voir un honnête homme la joie m'est donc donnée. T'es enfermé depuis tout ce temps-là? Il fut emprisonné par le roi des elfes pour s'être mêlé de magie noire. Et avec succès, gros barbu. Semelle, talon, tout était cousu. Je n'eus qu'un tort. Ce fut de fabriquer ces bottes avec de l'or. Pas des bottes ordinaires. Des bottes de 7 lieues. Ah, mais tiré d'un vieux mortier, combien opportune. Pour faire le tour du monde, ou même de la lune. Alors, tu m'aideras? Ces pièces enchantées t'aideront dans ta mission. Si tu veux consentir certaines conditions. Une fois utilisées, elles ne sont que 3. Ce verre tu briseras et me libéreras. D'accord, marché conclu. De la queue de Pendragon, je fabriquerai une clé et la princesse sauverai de l'horrible sorcier. Enfin libérée de ma prison de verre, j'irai en Irlande par la voie des airs. Enfin, grâce au petit diable. Il s'agit maintenant de découvrir où se cache Hélène. Est-ce que tu crois très prudent d'y aller seul? C'est le meilleur moyen de ne pas donner l'éveil. Oui, mais si tu es découvert? Je verrai alors si notre ami a autant de talent qu'il le dit. Oh, qui t'a guidé dans les embruns? Fais ton travail, je ferai le mien. Il n'y a que mon épée en qui j'ai confiance. Hein, on verra ça. N'oublie pas de faire provision d'eau douce. Fais attention, Jack.
Bonne chance! Nous n'avons pas souvent de visiteurs. De fière allure, sera-t-il aussi fier quand il se mesurera aux défenses de notre demeure? Ça ne manquera pas d'être un spectacle des plus réjouissants. Pas un os sur ce mur? Un os pour me défendre, mais... Pour vaincre leur pouvoir magique, livrer un combat moins inique. À quoi bon risquer le dernier cara? Attrape cet os, allons, dépêche-toi. Sauvé, je te remercie. Tu me remercieras après. Ferais-toi un chemin avec ce fouet. Ça, par exemple. Ça change tout. Il faut employer d'autres moyens.
Entrez, jeune homme, entrez. Ne regarde pas dans cette direction. Je me charge de ta protection. Bienvenue au château de Pendragon. J'ai eu un échantillon de votre hospitalité en arrivant. Et tous mes compliments, jeune homme, pour votre vaillance. D'abord pour avoir vaincu Cormoran, mon géant. Ensuite pour être parvenu jusqu'à mon île, ce qui est en soi un bel exploit. Et à l'instant pour avoir anéanti jusqu'au dernier de mes hommes d'armes que je croyais invincible. Coup génial en vérité. Mais quel dommage d'avoir fait tant de chemin seulement pour courir à votre perte. Êtes-vous si sûr que je sois perdu? J'en suis même certain. Car voyez-vous, si vous avancez encore d'un pas vers moi, des cornes vont pousser au sommet de votre tête. Au deuxième pas, vos extrémités deviendront des sabots fourchus et vous marcherez à quatre pattes. Encore un pas, et la transformation deviendra complète. Vous serez devenu un bélier noir. Donc, mon cher, voici un bon contrepoison pour cet horrible toison. Tiens ton épée devant tes yeux, la lame en bas, la garde aux cieux. Pas de cornes. Pas de sabots. Pas de toison. Alors, sorcier, je suis perdu. Pas de grands gestes, ni de grands mots ridicules et inutiles. Mon pouvoir est manifestement sans aucun effet contre le vôtre. Aussi, je m'incline devant l'inévitable. Je ne suis pas curieux, mais comment avez-vous acquis des pouvoirs aussi? La princesse. Elle n'est pas ici. Qu'elle vienne, ou je t'égorge. Elle n'est pas au château. Alors où est-elle? Soit. À l'autre extrémité de l'île se dressent les ruines d'un petit temple romain. C'est là qu'elle est prisonnière. Amène-la-moi immédiatement. Il faut que tu ailles toi-même là-bas si tu veux la libérer. Comment puis-je avoir confiance en toi? Nous sommes bien forcés d'avoir confiance l'un en l'autre. Il s'agit de savoir ce que tu veux. Bon, très bien. Mais si je découvre que c'est un piège, gare à toi. Maître, qu'avez-vous fait de votre pouvoir? Taisez-vous! Hors de ma vue, meute hurlante. Laissez-moi penser. J'ai toujours réussi à muer un simple mortel en une bête rampante. Pourquoi mon pouvoir magique a-t-il été sans effet cette fois-ci? L'épée de feu, maître, n'est-ce pas à cause d'elle? Bien sûr que non, souviens-toi du fouet qui lui a permis de tuer mes hommes d'armes. Il est doué d'un étrange pouvoir. Il porte peut-être sur lui un ancien talisman de magie noire. Il me faut connaître son secret au plus vite. Peut-être puis-je vous y aider. Il ignore que je suis avec vous. Absolument génial. Garna. Oui, maître. Accompagne-la jusqu'au temple. Oui, maître. Là, tu te présenteras à lui sous les traits de la princesse Hélène. Princesse, Dieu soit loué. Jack. Vous êtes vivante. Oh, cher Jack, j'ai prié si ardemment. J'ai là un bateau qui va nous ramener en Angleterre. Pouvez-vous marcher? Je l'espère, oui. Oh.
doivent toujours chercher de l'eau. Le tonneau n'est plus là. Enfin, ils vont bientôt être de retour. Je vais préparer l'appareillage. Jack, je désespérais de jamais vous revoir ou de quitter vivante cette île sinistre. Nous avons la chance avec nous, princesse Hélène. Je crains qu'il faille plus que de la chance pour vaincre Pendragon. Qu'à cela ne tienne, je possède aussi une arme secrète. Vous voulez dire ceci ? Oh, Dieu, non. C'est Sigur qui se sert de cette vieille rapière. Non, je voulais parler de mon ami, le gnome dans la bouteille. Il y a, paraît-il, 1000 ans qu'il est prisonnier là-dedans, par suite d'un maléfice. C'est notre sauveur, nous lui devons tout. Oh, attends plutôt pour me remercier que nous soyons loin et en sûreté. Qu'est-ce qui ne va pas, princesse ? Je n'en sais rien, c'est... peut-être d'avoir été en prison si longtemps. J'ai froid. Eh bien, allons attendre dans la cabine. Voilà qui vous réchauffera. Est-ce que vous auriez un peu de thé à me donner ? Eh bien, cette eau de vie n'est pas exactement ce qui convient à une princesse, mais elle vous fera du bien. Oh, merci. Allez chercher un autre gobelet. Nous trinquerons au succès de notre évasion. Avec joie. Dommage que Peter ne soit pas là auprès de nous. Oui, ainsi que Sigur. Il est si brave. Merci, princesse. Buvons à notre prompt retour. Et à nous, à notre bonheur futur. Soyons heureux ensemble jusqu'à la fin de nos vies. Hélène. Trinquons. Skål, comme dit Sigur. Oh, c'est absurde, Hélène, d'être heureux dans une situation pareille. Mais une fois au large... Que se passe-t-il, Jack ? C'est drôle, je me sens tout à coup comme si j'étais ivre. Je sais pas ce que j'ai. Oh. Le verre devient brûlant, ce n'est pas rassurant. La matine n'est pas ce qu'elle prétend. Faites attention! Ne faites pas rouler le bateau! Ciel, je vais retomber dans l'eau! Ouais, du bateau! Sigur! Jack! Jack! Sigur, dépêche-toi, viens! Ton gnome est un obstacle entre moi et le trône de Cornouailles. Où est-il ? Tu es doué d'un pouvoir magique, trouve-le toi-même. Oui, c'est ce que je ferai. J'ai été joué seulement 2 fois au cours de ma vie. Une fois par Erla l'Enchanteur, et cette fois-ci par toi. Erla a été tué. Oui, et je mourrai aussi plutôt que de trahir mon roi. Tu changeras peut-être bientôt d'avis sur ce point. Garma. Oui, maître. Peter!
pour la dernière fois, où est le gnome? Fais sortir les Vikings. J'ai l'impression que lors de ta première visite, tu as un peu surestimé ta force. Je vais te faire une nouvelle démonstration de mon pouvoir. Sigur! Maintenant, le gamin. Regarde-moi. Regarde-moi. Non. Jacques. Oh, Peter. Dites-lui. Jacques, je vous en supplie, dites-lui. Non, Hélène. Je ne peux pas. Regarde-moi. Oh, Peter, Peter! À vous maintenant, jolie Hélène. Et voyons, qu'est-ce qui pourrait le mieux vous convenir? Un serpent? Ou peut-être un crapaud? Ou alors, préfères-tu me dire où tu as dissimulé le gnome? Ta loyauté envers ton roi est touchante. Mais ton obligeance envers la princesse est autre chose, je pense. Hélène, je vous aurais cru assez sage, une fois ici, pour convaincre votre chevalier qu'il s'apprêtait à commettre une folie. Diana, réfléchis et décide-toi vite. Je vous en prie, Jack, dites-lui où vous avez caché le gnome, il le faut, pour nous sauver tous. Ainsi, vous m'avez drogué pour avoir le gnome. Oh non, Jack, c'était pour vous sauver. Il vous aurait tué si j'avais refusé. Il surveillait chacun de vos mouvements. Et il va vous tuer si vous ne lui dites pas où vous avez caché le gnome. Alors je vais mourir, parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est vrai que vous l'ignorez? C'est la vérité, princesse, je n'en sais rien. Vous avez été fou de vous aventurer ici. Au moment où vous mettiez le pied sur l'île, votre sort était certain. Seul le gnome aurait pu vous conserver la vie. Dès que le maître sera revenu, vous mourrez tous. Princesse, vous êtes ensorcelée. Brisez ce miroir avant qu'il ne soit trop tard. Rompez le charme qu'il a jeté sur vous. Détachez-moi, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, mais de quoi me sauverez-vous, prince charmant? De mon reflet? Regardez-moi. Contemple-moi sous mon véritable aspect. Dis-moi que tu me trouves belle. Pourquoi serais-je princesse de Cornouailles alors que je puis être reine de toute l'Angleterre? Te rends-tu compte? Quelle situation! Une sorcière sur le trône d'Angleterre. Ah, c'est vrai, Jack. Quel dommage que tu ne puisses voir cela. Peter! C'est ça, oui. Très bien. Ouvre, ouvre. Viens me délivrer, vite! Non! Non! Va-t'en! Va-t'en! Retourne dans ta cage! Tu m'entends dans ta cage! Princesse, je vous en supplie! Non, non! Je regrette, princesse. Maître! Oh! Oh!
Pardonnez-moi. Garna, vite! Oh. Pendragon! Maître, la cage est vide aussi. Voilà sans doute l'explication. Animez-vous, gantelet de fer. Combattez. Attendez, je connais un passage secret qui mène hors du château. Vite. Ça ne fait rien, ils n'atteindront pas leur bateau. Juste au-delà de ces rochers. Abritez-vous, courez! Ce n'est plus qu'une affaire de minutes maintenant. Non, pas à marée haute. Dernière bonne action, aide-nous, dépêche-toi. Oh, vite, je t'en prie. Méfie-toi d'elle. Je dois dire que je ne serais point surpris qu'elle te change en descente de lit. Parce que Pendragon l'avait envoûtée, mais j'ai mis fin au sortilège. Vite, une pièce magique. De tout le royaume de Neri, un seul être peut vous libérer. Appelle-le, alors lance-t-on ta pièce. Thank you.
aussitôt parti vers le bateau. Place, allons! Nous échapper. Hors de ma vue. Aide-nous une fois, encore une fois seulement. Je le ferai certes avec joie, mais j'ai utilisé les trois. Regarde-la bien, je n'ai plus rien. Yeah!
Jack! Peter! Sigurd, nous sommes tous sauvés! Jack, tiens bon! Vas-y, mon gars! On va t'aider! Viens! Donne la main! Sigurd! Peter! Toi aussi, tu es sauvé. À l'instant où tu tues Pendragon, le sortilège a pris fin. Oh, regardez son château! Anéanti! Tu trouveras des vêtements secs dans les cabines. Attends! Il faut d'abord que je m'acquitte d'une dette. As-tu un marteau? Oui, voilà. Ne lui fais pas de bosse, vas-y doucement! Allons, dépêchez-vous, je perds patience. Voilà 1000 ans que je suis en instance. Faites attention aux éclats. Retourne la bouteille, mille tonnerres, que j'ai au moins un petit peu d'air. Oh, excuse-moi, j'allais... Tu t'excuseras une autre fois. Brise la bouteille et libère-moi. Tu es libre à présent. Oui, libre enfin. Pas à demi. Et grâce à toi, mon noble ami. Mais croyez-en mon expérience. La vie n'offre jamais deux chances. Si vous cherchez le bonheur fou, épousez Jack. Il est pour vous. J'en ai l'intention. Je vais retrouver ceux qui m'attendent au-delà des mers, dans ma verte Irlande. Ah, quelle merveille que mon pays. C'est un vrai régal pour les yeux. J'y serai en un clin d'œil grâce à mes bottes de 7 lieues. Dieu vous donne sa bénédiction et vous évite tout danger. Suivez la bonne direction et vous serez bientôt rentré. Mais où est-il? Qu'entendait-il par bonne direction? Oh, regardez là dans le ciel. Et si vous hésitez avec votre gouvernail, l'arc-en-ciel vous guidera jusque en Cornouailles. Au revoir, au revoir, ami. Bonne chance. C'est dommage de se séparer d'un pareil ami. Dépêchons-nous, si jamais Pendragon ressuscité. Dis donc, Sigurd, elle est un peu dure, ta barre. Oh, elle n'obéit qu'à son maître. Donne que je vous ramène en Angleterre. Oui, en Cornouailles. Chez nous.